sur le sauvetage du 21 décembre. Nous-mêmes, nous regrettons que le Premier ministre, autrement dit l'ancien Premier ministre Garry Conille, qui pratiquement fait montre d'un comportement conflictuel, qui fait montre d'incapacité de gouvernance qui lui fait que nous devons procéder à une révocation. Il y a un monde qui dit comme ça que le CPT n'est pas capable de prendre une décision ça inconstitutionnelle. Les autres, au niveau de l'équilibre, du bloc équilibre, nous prenons plusieurs aspects dans ce sens-là. Premier aspect, nous disons si nous avons considéré la Constitution dans son article 136, CPT1 est une attribution présidentielle. Malgré tout problème qui est capable de gagner, que nous avons pour nous expliquer et assumer responsabilité. Mais CPT, lui, a une prérogative présidentielle. Il a une prérogative présidentielle à partir du projet décret 3 avril 2024. Projet 3 avril 2024. Ça que fait nous dit projet, c'est parce que justement, nous croyons que dans la République, là, c'est le droit public qui existait, qui fait montre et qui a assujetti à toute administration publique. Malgré tout, tout ça que nous avons fait en dans le processus de transition, c'est l'esprit du projet du décret du 3 avril. C'est ça que fait. Nous-mêmes, nous continuons toujours en équilibre pour nous demander qu'il faut des révisions dans le projet ça et pour capable de faire des publications le plus rapide que possible. Il y a un monde qui dit tout que décret 23 mai 2024, pas by CPT en droit pour être capable de faire une révocation. Je prends l'article 57 du décret du 23 mai 2024. Qu'est-ce que l'article ça dit? L'article a dit comme ça que je peux révoquer le Premier ministre. Alors, pour les gens qui est capoulé, en temps normal, ça fait la présidence par contre révoquer le Premier ministre parce qu'il a cherché la synchronisation entre la légalité et l'intimité. Je dis à la, nous avons paralégalité et paralégalité. Et l'article 57 du 23 mai 2024, qui toujours ces deux vecteurs qui mènent la transition, ça, il dit comme ça que en cas de corruption, il dit comme ça que en cas d'incapacité au cadre à assurer que le fait un rapport pour capable destituer le Premier ministre. Mais malheureusement, il faut qu'on gagne au cadre. Et jusqu'à présent, pour qu'on gagne un projet décret 3 avril, il faut qu'on vienne un décret pour nous sur le principe de droit public, voire même pour qu'on assujetti à toute administration publique. Donc nous-mêmes, nous croyons que, si nous regardons le projet, si nous regardons le décret 23 mai 2024, le décret 23 mai 2024, il dit en cas de corruption, nous allons regarder ensemble avec moi la presse, qu'on principe ça procès qui est pour la comptabilité publique, qui est toujours droit public. Il y a trois catégories d'audit. Il y a audit financier, que généralement quelconque la Cour des comptes utilise jusqu'à date. Il y a audit de procédure, il y a audit de vérification sociale. Ancien Premier ministre Garry Conille a gagné pratiquement un fonds qui est un fonds d'intelligence. C'est vrai, fonds ça, il n'est pas assujetti à la comptabilité publique. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de comptabiliser juste, il n'y a pas bien pièce justificative, mais qui sont sommes faramineuses. Il y a un fonds d'intelligence dans le ministère intérieur qui sont sommes faramineuses. Au-delà, si nous considérons le principe de vérification sociale là, le principe ça, qui ça que le fait? Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas marché caille par caille, quartier par quartier, voire même pour sortir pour libre circulation. Et toute famille haïtienne victime de problématiques d'insécurité ça. Sur sauvetage du 21 décembre, qui a dit non jouet qui blesse. Mais qui résumait les équilibres. Les équilibres sont tendances qui nouvellement installées en Haïti, qui fait des réflexions et en 21 décembre, mais qui prend le gain pour le cadre d'activité ça pour lui présenter en long et en large. En nous parler d'abord sur ça qui est pour d'abord à l'accord du 21 décembre. L'accord du 21 décembre, à un moment donné, était très controversé par rapport à la gouvernance que nous-mêmes, c'est des accords qui te fait que nous entrons d'accord là parce que nous croyons que c'est le moment pour te dialoguer avec différents que nous gagnons DS.
et dans ce sens-là, comme acteur politique et comme groupe politique, nous t'entrer. C'est-à-dire que, à tort ou à raison, il y a des controverses que nous-mêmes nous devons dénoncer, que presque il a constaté que nous devons dénoncer, et nous devons toujours assumer les responsabilités. Nous. Mais 21 décembre, il est venu pour l'autre orientation que nous prenons. Après le départ de l'ancien Premier ministre Ariel Henry, le 21 décembre, il y a un nouveau leadership. Et le leadership qui est là dans le jour pour la presse parler écrite, pour tout le monde qui a connaît, c'est trois tendances qui ont mené le 21 décembre dans quatre liens pour avec le processus décisionnel. Si on a une personnalité politique, il tweete, il fait une déclaration, il engage que lui-même et seul à groupe politique. Tendance qui mène le 21 décembre, désormais, sont tendances qui est pour un, la minorité, la majorité et les équilibres, qui sont forces politiques qui entrent dans le 21 décembre, qui rassemblent, qui ont des regroupements politiques, qui ont des confédérations, des organisations sociales à travers tout le pays. Donc nous entendons pour être capables d'assurer et assumer le leadership nous, comme force politique, comme tendance politique pour participer dans le processus décisionnel. Et ça qui veut dire que, sous aucun prétexte, personne tendance pas capable sans consultation, nous-mêmes comme force politique en 21 décembre, pour prendre aucune décision. Son concertation, son synergie qui doit dégager pour capable de prendre des décisions qui prennent des décisions politiques pour engager le pays. Et nous voulons dire à la presse parler et écrite, et les équilibres qui en 21 décembre, nous assurer et assumer les responsabilités, nous, c'est ça que je dis à nos contextes difficiles et périlleux que nous voulons porter tout message. Il est pour tout ça écrit sans gagner dans chaque vie aujourd'hui, à court, à moyen et à long terme. Et nous tout profiter pour parler de tendance équilibre. Nous venons à tendance équilibre parce que nous avons une tendance extrémiste et qui l'a payé, qui n'a pas gagné pour la payer. Nous disons que tout ça qui est pour un désaccord à différents, nous avons discuté, nous avons dénoncé et tout ça qui est bon, nous avons assumé au péril de notre vie. Et l'équilibre, c'est ça que lié, sont tendances centristes que nous venons avec en Haïti qui vous permettent que vous capable de garder et qui j'en garde dénoncer, qui j'en garde proposer et qui j'en tout capable de faire que au moins extrémistes radicales capables de suspendre le pays ça parce que nous croyons que radical là n'est pas bon pour le pays. Même si vous avez des accords X à Y comme personnalité politique, vous cachez ta balance avec lui pour nous garder pour nous une solution qui traite d'union. Pour à ça qui est pour avec bataille. Donc, contexte pareil, c'est que les équilibristes, lui désormais fait valoir comme force politique, d'abord en 21 décembre et ensuite dans tout le pays. Et en temps et lieu, dans ça qui est pour avec le programme que maître de cérémonie a mené, nous sommes capables de plus de détails sur l'agenda des équilibristes qui en 21 décembre. Et tout ça n'a fait, tout ça n'a mené, et éventuellement, plus de positions pour le ministère de la Justice. Moun tabac qui pratiquement qui passe son miséréré à cause de son insécurité ça c'est moment pour qu'on voie sympathie nous par moun solino c'est moment pour qu'on voie sympathie nous par moun pas des bouquets bref tout monde toute famille qui a victime de problèmes de sécurité ça si nous gardons le principe de vérification sociale ça malheureusement si nous tabac parce que le principe de vérification sociale ça il dit que souvent sans vous tout dépenser pour un résultat pour tout pour well que sans goutte lance, il y a un bon résultat. Il va manquer de résultats. Pour nous, on a posé cette question, est-ce que c'est conforme de corruption? Deuxièmement, en termes de capacité de gouvernance, qui s'ajoute à là? Après 4 à 5 mois de gouvernance, nous ne parlons rien. Rien qui est dit. Donc, le CPT, dans ses attributions présidentielles, nous voulons dire que le pays a un droit pour être capable de révoquer l'ancien premier ministre Garry Conille. Et nous profitons encore de micro ça tout pour nous dénoncer tout de suite après l'évocation ça, et ensemble de secteurs well, que qu'on chaîne de violence qui augmentait dans le pays d'Haïti. Et nous regrettons, soit c'est amateurisme politique, ou du moins c'est complicité qui fait que l'ancien premier ministre Garry Conille n'a pas dénoncé ça. Donc nous continuons pour nous capables d'avoir plus de position officielle dans l'équilibre sur ça qui est pour l'actualité. Hein, pour nous dire que le CPT l'endroit pour être capable de révoquer, et nous autres, comme nous-mêmes, c'est vrai, nous ne sommes pas une personnalité, mais si nous sommes dénoncés et prenons des positions officielles par rapport à ce qu'a fait,
nous-mêmes, nous avons estimé, et après consultation, nous avons endossé le choix du nouveau Premier ministre, Alix Tshisekedi. Nous endossons l'an, pas dire que son carte blanche, parce que nous-mêmes, c'est pays nous avant tout. Endossons l'an, veut dire que pour tirer leçon de conséquences et conséquences prédécesseurs. Endossons l'an, veut dire que ou pas qu'à prendre un poste, ou pour un poste à tout pacifique, il faut dégager ou pas actif. Et je dis à la, en termes d'actif, nous croyons que même Jean Le Feu, Mac Bazé, à un moment donné, il a dit que le problème pays, il a dit que solution pays, c'est l'agriculture. Je dis à la, toute famille haïtienne, à tort ou à raison, je dis que c'est sécurité pour qu'on ait une libre circulation. Et nous croyons qu'il y a quatre gros chantiers que le Premier ministre, le nouveau Premier ministre Alix Tshisekedi doit entamer. Il y a c'est la problématique, c'est de sécurité pour qu'on puisse adresser, parce que désormais, le fait que son Premier ministre, il est chef CSPM. Deuxièmement, nous croyons que la Constitution, malgré un ensemble de points, qui va arriver à adresser là-dedans, par exemple, et qui vient pour avec et la décentralisation, qui vient pour ensemble de thématiques, malgré des faiblesses et tout, parce que son constitution qui crée apartheid. Il crée apartheid contre diaspora, il crée apartheid contre jeunes garçons, jeunes femmes, il crée apartheid pour ensemble de monde. Et je veux dire, apartheid, c'est lui-même qui porte chaîne de violence qu'on gagne dans le pays. Hein. C'est vrai que des politiciens véreux qui pratiquement qui animent le soir de pouvoir, qui pratiquement qui alimentent les jeunes avec des armes, avec tout le temps de bagaille, mais à partir de là, beaucoup. Donc nous-mêmes, nous croyons que réforme constitutionnelle est fondamentale. Nous-mêmes, nous croyons que réforme constitutionnelle est capable de mécanisme pour capable créer des élections non contestées. Pour offre politique qui gagne, hein, c'est lui-même qui passe. Et nous pouvons tous pour capable retourner d'autres pays hein, à des personnels politiques et à tous les niveaux. Mais pour ça faire, c'est vrai que le Premier ministre Alix Tshisekedi a des compétences qui ne sont pas nous demander pour que pour prendre les gens compétents qui ont l'administration publique, là, parce que son administration qui est complexe, qui est perplexe, si on ne pas maîtriser les administrations publiques, la complexité, il n'y a pas de résultat, parce que nous-mêmes, nous pouvons que faut que les gens réussissent, parce que le pays n'a pas de descendre là. Et dans tout schéma, ça, nous voulons dire que l'équilibre est prêt pour être capable d'aider que la transition soit une direction qui réussit. Parce que la population, le peuple n'a pas de descendre, le pays n'a pas de descendre. Nous n'avons pas de pays de échange. L'équilibre est prêt pour lui faire toute forme de coup de main pour que la transition soit réussie. Même si j'ai commencé avant, il a assuré et assumé les responsabilités. C'est ça que fait. Nous voulons dire à tous nos camarades dans le 21 décembre que vous ne faites seul pour que vous ne parlez pas de voix discordante. Nous voulons dire tout que vous ne pas faire piquer devant, pour que vous consultez et plus puissiez être capable de garder faire concertation. Parce que, j'en ai dit avant, par une décision qui est une politique sérieux pour que l'équilibre soit pour ne pas camper là-dedans, pour ça qu'il y a avec le secteur du 21 décembre. Parce que avant, c'était l'accord du 21 décembre, je dis à là, c'est le secteur du 21 décembre qui, pratiquement, qui s'est membre à projet d'accord du 3 avril. Donc voilà en termes clairs la position officielle du bloc équilibriste pour un sursauvetage du 21 décembre. Et l'équilibriste est libre tout pour être capable et véritablement aider à tous les niveaux en termes d'intelligence politique et libre tout pour participer activement à ce nouveau gouvernement et à tous les niveaux parce que dans ça nous pouvons faire un coup, mais pas nous tous. L'équilibriste est libre tout pour être capable de réussir, pour être capable de doter pays à de nouveaux personnels politiques qui pour orienter pays à. Le problème nous est que nous avons dit là, nous suspendons avec lui pour nous faire moins Haïti mieux. Donc c'est ça en termes clairs. Équilibre, est-ce que nous prêts? Oui! Équilibre, est-ce que nous prêts? Oui! Est-ce que nous prêts pour une transition pour une transition réussie? Oui! Donc voilà en termes clairs, nous sommes une force politique. Et en temps et lieu, dans chaque carrefour, la guerre pour montrer que les camarades qui ne sont pas venus pour nous faire sécurité, mais nous voulons montrer que nous ne pas. Une structure politique qui a parlé dans la presse seulement, nous souterrain à tous les niveaux. Donc nous présents, nous avons aidé pour la transition réussie et nous avons assumé les responsabilités. Et nous voulons dire tout que, sous ça, il y a toujours une position officielle sur tout grand dossier. Et nous avons profité pour une position officielle et équilibrée sur tout grand dossier. Il y a des gens qui parlaient de les trois conseillers équipés. Je dis à fond plus clair, pour l'histoire et pour la vérité, effectivement, il y a trois conseillers inculpés dans le CBT. Mais en termes de point de droit, inculpation, pas de dire que ça reproche au nom ou faire vrai. Il
pral de dire ça, c'est le mot ordonnance. L'on est culpé, à un niveau, pral de ordonnance, et ordonnance encore ordonnance de renvoi, ou ordonnance de non-lieu, il pral permettre que le ça, pral pour notre phase, pour notre étape, dans le niveau d'occupation. Et la République n'a pas été bloquée, il faut qu'il y ait des décisions qui prennent, de grosses décisions à prendre. Et nous voulons signaler tout, malgré ce n'est pas même régime de droit, l'autre les États-Unis, qui sont pays que nous avons pile respect pour lui comme pays sans vie Haïti. Les États-Unis, il y a le nouveau président Donald Trump qui est inculpé dans l'État fédéral New York. Mais ça va faire de lui-même pas président. Parce que pourquoi il y a une ordonnance? Parce que le système aux États-Unis, hein, son système qui est le common law. Mais common law a tout. Le droit, c'est la codification de bon sens. Et nous allons plus loin toujours. Il y a un magistrat New York qui est inculpé, il est toujours maire parce que pourquoi il y a une décision. Gagner tout l'ancien premier ministre Gary Cohn qui était inculpé, mais qui était premier ministre parce que c'est une bonne décision. Donc ceci c'est pour nous que nous ne positionnons sur tout ça qui est point à grand dossier de la République. Parce que quelqu'un qui a fait position, qui a fait politique en cachette, nous-mêmes nous devons assurer et assumer la responsabilité de nous. Peut-être à tort ou à raison, mais nous assurer et nous attendons le verdict de l'histoire. Merci beaucoup.